Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour cette nouvelle vidéo sur Subnautica. Donc la dernière fois nous avions choisi l'emplacement de notre base, nous avions aussi récupéré un petit... pas une balise, mais bel et bien une... Donnée, alors ça va être donc quoi dans données téléchargées. Survivant de l'Aurora. Ça va pas être ça. Alors ça va être code et indice. Voilà. Donc voilà. L'équipage sollicite une assistance pour naviguer à travers les radiations. Donc il est plus ou moins vers l'Aurora. Accoulé approximativement à 100 mètres de profondeur. Donc je pense que c'est de profondeur. Localisé dans une zone dense en herbe rouge, à proximité d'un certain nombre d'arches naturelles et d'amas de roches. Origine en 400 mètres au nord-ouest de la dernière position connue de la capsule de survie 4. Alors, vous pouvez voir justement qu'on n'a pas la capsule de survie 4. Cependant, ça peut nous permettre de trouver la capsule de survie 4. Donc, pour ça, on va essayer de se faire un petit... Alors, normalement, il est par là... T'imagines ? On va essayer de se faire 2-3 petites choses, dont ceci, une batterie à haute capacité... Et bien sûr, le CMOS qui va avec. Il va donc falloir 2 batteries à haute capacité, soit 4 batteries vides. Ce qui fait beaucoup. Ce qui fait beaucoup, beaucoup finalement. Dans nos poches, on a quoi? On a une pile vide, donc on va la garder. Hop. Et on a la place. Le constructeur habitant, on n'est pas obligé de le prendre pour le moment. Ça, c'est du dépôt de sel. Je vais le prendre histoire de pouvoir déposer ceci. On ne la perde pas. Ok, bon, ça c'est fait. Aussi, bon, le kit médical il est pas prêt, c'est dommage. Qu'est-ce qu'on a comme pile là-dedans? Pile chargée à 100%, génial. On va s'en prendre une deuxième. Si on peut, donc il me faut de mémoire. Voilà, c'est ça. Donc je crois que je les ai d'ailleurs juste ici. Oui, bah si je les ai, j'ai du bol. Hein. Et j'en ai, il m'en manque un. Il m'en manque un, on va aller le chercher tout de suite. Et on part directement dans l'action. On va aller, je dirais pas fouiller l'Aurora, mais presque. D'ailleurs, à ce sujet-là, est-ce qu'on a toute la combinaison anti-radiation? Ça, c'est le recycleur, voilà. Merci. Crac. Alors, je disais, on va aller fouiller l'Aurora. Oui et non, vous allez comprendre pourquoi. On va surtout aller fouiller autour de l'Aurora. Pourquoi? Tout simplement parce que nous n'avons pas la découpeuse et le canon à gravité. Je crois que c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, le canon à gravité en français, je ne sais plus. On va voir vite fait dans le... Voilà, merci. Dans le log, mais il va nous falloir ça pour qu'on puisse tout simplement débloquer les débris. Les schémas... Bah, je vais pas les avoir, les schémas, donc ça sert à rien d'aller les chercher. Ça va pas être ici, ça va être plus haut. Là. Canon à propulsion... Oh, excuse-moi. Bon, du coup, c'est pas grave. Hop, on avait plus ou moins tout... Alors, ou alors sinon, ce qu'on peut faire, c'est aller chercher de quoi faire la découpeuse. Et pourquoi faire la découpeuse? Voilà qu'on se mette en danger. Hop, viens là. Ou alors, attendez, j'avais prévu de faire ça depuis quelques temps. Justement, de la tester un petit peu, cette Bolo Balls. Ça va être dans les déployables. Voilà, ici, pile, minerai de cuivre. Une pile. Ah, bon, tant pis, c'est pas grave. On va pas faire ça comme ça. Oh, le fish, d'accord, je crois que c'était un peeper, mais non. Ok. Bye bye. Le Gary Fish, j'ai pas eu le temps de le prendre, non, parce qu'il s'est fait bouffer. Voilà. Hop. Il va falloir que la pêche me revienne, hein, vous inquiétez pas, hein, mais ça va marcher. Je vais y arriver. Allez, viens par là, viens voir papa. Voilà, c'est bon. Donc oui, changement aussi de setup de caméra, de micro, d'écran, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Tout va bien mieux normalement. Voilà, bon. On va rentrer, on va se faire de la bouffe. Peut-être qu'il va me falloir un peu plus de boisson. Qu'est-ce que tu fous déjà là, toi? Un petit peu d'eau. Alors vous m'avez conseillé aussi autre chose pour l'eau. On va aller se renseigner tout de suite. Tout de suite, quand je dis tout de suite, c'est tout de suite. Hein. Hop, voilà. On va aller voir, vous m'avez dit que l'eau était plus rentable qu'avant. Il faut de la javel. Pour avoir de la javel, il faut dépôt de sel et... Ouais, il faut toujours un dépôt de sel. Ah oui. Pas de soucis, je vais boire un coup, t'inquiète pas, j'ai prévu le coup. Alors ça se trouve, j'ai encore plein de bouteilles d'eau sur moi, comme d'habitude, hein, mais bon, c'est comme ça.
On va s'en sortir, vous inquiétez pas. En tout cas, je fais le plein de bouteilles d'eau avant de partir, c'est cool. Et on va manger un petit peu. Alors l'avantage, c'est que tant que je fais pas de nourriture avec le sel, je suis obligé de manger automatiquement ce que je fais. C'est bien, vu que ça me bouffe pas entre guillemets mes liquides, enfin mon hydratation. Donc c'est plutôt une bonne chose. Il faut savoir que le sel fait que je peux garder la viande beaucoup plus longtemps, vraiment beaucoup plus longtemps, mais au prix d'une déshydratation quand je la mange. Même encore là, vous voyez, je prends un tout petit peu de... Hop. Voilà. Bon. Du coup, on va essayer de se repérer pour aller chercher du diamant. Pour aller chercher du diamant, on a la cave violette, donc ça devrait être un peu plus par là, tout simplement. On va y aller sans la moindre. Ah bah génial, en plus le jour se lève. Pour la planète France. Voilà. On va chercher les grands de profondeur. Il devrait être au sud de cet endroit, si je ne me trompe pas. Ça tourne bien, il n'y a pas de soucis, n'oublie pas. Alors on va faire gaffe quand même parce que ça veut dire que quand on va dans les grandes profondeurs, on va aussi là où il y a des grandes bestioles. Puisque c'est par là que j'avais fini par trouver mon diamant. On va dire presque à l'époque. Alors je sais pas si c'est plein sud ou pas. On va y aller plein sud. Ça va être bien mieux, on va remonter. Là, je pense à utiliser plein sud. On y va. Voilà, on y est. Alors attention au danger parce que là il va être au bord, je pense. Non, ça va. Calcaire, c'est pas encore assez profond. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Eh ben non. Vu qu'on n'a pas prévu partir pour le. C'est tout. Ah d'accord, c'est parce que tu brilles. C'est parce que t'es mignon, d'accord. Alors, on doit être plus ou moins à la bonne profondeur vu qu'on trouve du quartz. En gros truc. Mais bon, ce n'est pas du tout ce qu'on cherche. Alors comme j'ai tué un des membres de sa famille à lui là-bas, là. À lui aussi d'ailleurs. Me dit que ils vont pas être hyper méga copains avec moi. Oh, du calcaire, fais pas ton méchant. Oh, casse-toi tu pues. Casse-toi tu pues. Oh putain, je t'ai pas vu toi devant. Il était en mode ninja lui. Ouh. Alors, ah, qu'est-ce que c'est? Les coupeurs laser, ça m'intéresse pas. Si seulement ça. J'ai pas reconnu ce bruit. J'ai pas reconnu ce bruit, donc j'admets que j'ai fui. Et quand je dis que j'ai fui, c'est que j'ai. J'ai aussi coulé de partout, si vous voyez ce que je veux dire, hein. J'ai littéralement fui. Plomb, toujours. Calcaire, toujours. C'est quoi cette musique? Vous foutez les boules. Titane. Ah. Ah, ça a l'air intéressant ça. Bon, allez, monte. Et je remonte, t'inquiète. Et juste de faire un petit peu attention à ce qu'il y a autour de moi, ça te dérange pas. Oh là là. C'est quoi? C'est rien du tout. Ok, merci. Bonjour. Ok. Du cal. Ah bah j'ai même pas eu le droit de le prendre. Je suis suivi par quelque chose aussi. Là il semblerait que je sois très profond, pratiquement 200 mètres de profondeur, et que je ne trouve toujours pas de diamant. C'est la tristesse. Un débris. Toujours pas de diamant. Sel. Moteur de... Le cyclope.
Je me suis pris des dégâts. Bonjour. Par contre, je trouve pas de diamant. Ça, ça m'emmerde. Jean ? Bonjour ! Vous êtes plus violent, vous ? Avant, vous étiez presque mortel, si je puis dire. Ou même. Ça vous change ! Bon. Parti ! Alors, je sais pas si je peux nager en même temps que je fais ça, mais. Les gens profitent. Hop, en tout cas, je ne trouve pas de. De comment de. Je regarde au niveau du son. J'espère que ça va au niveau du son du jeu. De comment de diamant du tout. Bon. Alors, je sais pas si. Je me rappelle plus du tout à quelle profondeur je l'avais trouvé mon diamant, moi, déjà de base. Ce qui m'embête, véritablement. Vu que ça m'empêche de rechercher exactement au même endroit, à la même profondeur. Mais bon. Ok. On n'est pas passé par là. Peut-être que. Peut-être que. C'est du calcaire. C'est pas ça. J'ai un message. Génial. J'ai pas trouvé l'autre encore, mais j'ai déjà un message. Là-bas, c'est rond. Argent. Là, ça fume. Donc, c'est chaud, oui, c'est vrai que j'y pense pas, mais. Là, ça ressemble à un rubis, ok, cool. J'ai. Vol. Aïe. J'ai brûlé par un truc. L'or. Quartz. Un rubis. Mais, c'est toujours pas du diamant. Tant pis, je plonge. Ouais, ça va être chaud par là. Ça veut dire que je plonge plus par là. Hop. Alors. Aïe. Qu'est-ce qui me chauffe le cul? Côté quelque chose. Centrale thermique. Oh. Alors que je remonte. Oh, je vais être short en remontant. Oh, je vais être tellement short que ça va être une catastrophe. On va frôler la catastrophe, chers amis, là. Je crois que je vais devoir... Non ? Ouh, bah dis donc. Qu'est-ce que je fais ? Ouh là là ! Ok. Oh, pas de diamant. Je cherche toujours par là ou par là. Mais comme en fait le niveau a changé ici. Waouh ! Ça y est, ta texture. Encore un petit peu de place, mais bon. Bah, c'est pas la fête du slip. Hein. Pas très profond, ça, par contre. Calcaire. Je me rappelle plus ce que je suis censé chercher. C'est la catastrophe. Calcaire toujours, je présume, oui. Fibre, je prends. Ah merde, je peux pas le prendre parce que j'ai du caca sur moi. Schiste. Diamant. Ce bol. Ce coup de bol. Donc c'est dans du schiste. Plus qu'à retrouver la base. Qui est à pratiquement 1 km de nage. Bon bah au moins on aura trouvé ce qu'on cherchait. J'aurais peut-être dû déposer un truc, genre une balise ou n'importe quoi, à l'endroit où il y avait le... Je croyais qu'on allait arriver dans l'endroit où j'allais dans le futur mettre ma base, mais non. Oh pis. On va gaspiller un petit peu de l'énergie, c'est pas grave, ça sera fait. Oh la vache, on la voit de là. Non, c'est bien. On sait pas qu'on aurait une telle... Pardon, vous êtes là. Faut que j'arrive vraiment à gérer. On sait pas qu'on aurait une telle vision de... distance de vision. Mais finalement, c'est très très bien. Vu que sous l'eau, en fait, on est même assez limite en termes de distance de vision. Mais je pense que c'est plutôt le nombre d'objets affichés qui gère ce truc-là. Enfin bon. C'est de la technique, on n'en parlera pas. Mais c'est génial.
Alors je sais pas si là il est en train de fonctionner. Non, il fonctionnait pas. On va se mettre là. Hop. En termes de son du jeu, j'espère que c'est bon. Dites-moi dans les commentaires si c'est bon ou pas. Normalement, ça pourrait pas être trop mal. Donc on a plus ou moins tout ce qu'il faut pour faire la découpeuse. Ce qui veut dire qu'on peut aussi rentrer dans les Vrex maintenant. Ce n'est pas mal du tout, sachant que ça va pouvoir nous user une pile en plus. Vous voyez ce que je veux dire? Bonjour vous. C'est gros comme un camion, hein. C'était gros comme un camion. J'ai fait du sushi de leur cousin en mode requin là, mais... Ok, bon, les filles. Je vous écoute. Yoki Kasa. I said Kasa. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Signal location uploaded to PDA. Ok. Donc moi je sais qui c'est, ce que c'est, pourquoi. Je veux bien inventaire plein. Ah pardon, excuse-moi. Bah tant qu'à faire. Si j'ai ce qu'il faut. Pour la découpeuse. Ok, il en fallait deux. Merde. Merde. Oh, fait chier. Les diamants. L'or. Pourquoi j'ai de l'or? Tant pis. Bon, bah, je vais faire ce que j'avais fait dans l'autre. Tant pis. Déployable. Armoire. Hop. Au moins le temps 2. On va mettre ça en 2 pour le moment, vu que je suis pas trop agressé. Voilà, on va déjà vider tout ça. Ce sera fait. Commande est expédiée. Ouais, je vais enfin pouvoir boire du café. Ok, bon, ça c'est fait. La 2. Je pense à utiliser ça aussi. Ok, bon bah on repart, on va réutiliser un petit peu de, du truc. On a combien? 7 minutes, c'est pas grave, c'est pas grave. On avait dit donc sud, c'était pas tout à fait ça, on va partir un peu plus vers sud-ouest. On va essayer ça comme ça un petit peu. Sud-ouest. On va essayer de voir avec ma voix le son que je fais, mais des fois je pars apparemment dans la saturation, c'est dommage. Enfin bon, on verra, c'est pas grave. Vous me direz dans les coms, je préfère avoir votre avis que le mien parce que le mien est complètement biaisé. Ah, il y a du Vrex par ici. Ouais, mais je suis déjà passé par là. Ah, attendez. Ce serait pas le Vrex que je cherchais depuis des lustres. Ah. Hop, génial. Ici. Bon, il y a des bouts de balises aussi par là, non? Gravisphère, je l'ai déjà. Dommage. Et voilà, le trou que je cherchais. Bon, bah d'accord, c'était en plein sud-ouest. Ok. C'est le truc que je cherche depuis quelques épisodes déjà, mais c'est pas grave. On avait dit plutôt sud-ouest, hein, les gens. Ok, il commence à y avoir de l'infection par là. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la cinématique d'introduction qui n'existe pas dans le jeu, qui n'est pas implémentée dans le jeu pour le moment, je vous invite à aller la voir, puisqu'elle est assez intéressante sur le, je vais dire, le déroulement de l'histoire. Principalement autour de ce qui fait justement l'infection et l'histoire. Pourquoi on est obligé de faire tout ça? Pourquoi on doit se barrer? Pourquoi on va faire de la recherche, etc. J'ai pas vu à quelle profondeur j'étais pour le... Merde. Par contre, j'ai l'impression d'être plus ou moins dans la même région. Oh, pardon. Pardon, Simone. Simone, je suis désolé. Hop. Mais voilà, il y a une véritable raison à laquelle... Bah tiens, faut en profiter. Rien à dire. Ok, normal. Bon bah écoutez, tant mieux hein, si je puis dire. Elle a fait du slip. Ok. Fais attention à notre pile quand même. Même si on est clairement dans le coin. Hein. Donc, schiste! Je l'ai vu, vous inquiétez pas, je l'ai vu.
Ce sera mieux avec ça. Pas dans la bonne région. Piste ? Non, pas piste. Dommage. Donc eux ils viennent à cette profondeur. Intéressant, je pensais pas. Piste. Lithium, merde. Donc 150 mètres de profondeur, c'est pas mal. Argent, je prends aussi. Ah, c'est chaud. Je suis dans le bon coin. Bah, pas sur le bon coin, mais dans le bon coin. Ouais, je vérifie, ça se trouve, quand je prends des dégâts, je prends plus d'oxygène aussi, ça se trouve. Ils auraient bien mis un truc couillant comme ça. Ah. Non, là, ça va être chaud. On devrait être dans le coin, non? Je vais remonter à 150 mètres. Ok. Oh, pas radin. Je remonte ici. Oh, ça va être short aussi, ça. Vu qu'il y a un rubis juste en dessous, en fait. Tout simplement. Pas de bestiole. Oh, ça a l'air d'aller. Imhotep, tout va bien. Oui, mais on devrait le faire, hein. T'inquiète pas. Hein. Ça devrait le faire. Ça le fait ? Et dis donc, c'était juste, hein. C'était juste ou c'est moi ? Un rat du cul t'as qu'à mater, comme on dit, hein. Bon, c'est pas grave. Allez, le rub-rub. Rub-rub, bonjour. Je sais pas si t'es important. Je sais pas si je vais avoir immensément besoin de... celle. J'ai cru. Bonjour. Non! Pourquoi t'es là? Pourquoi venir me faire chier? Je t'aime pas. Non! Non, je ne voulais pas de toi. C'est selon moi un des pires poissons que vous allez trouver dans ces eaux. Oh là, il y a des trucs qui envoient des choses. Le warper. Le machin qui vous téléporte et qui vous fait des dégâts. Bah oui, pourquoi pas. Et pourquoi pas, comme on dit. Un tout petit peu. Juste un diamant. Faisez pas vos vilains. Oh merde, je suis dans une grotte. Non? Une pierre noire. Ah, je suis pas assez bas, profond. Je suis pas assez profond pour du diamant. Ah! C'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Est-ce que tout le monde connaît Strophe? Oh non de Dieu. Allez, on y retourne. Avoir de batterie, mais c'est pas grave. On va aller à la bonne profondeur. Tant pis si c'est dans le noir complet. N'ayons pas peur de faire peur. Tiens, c'est la bonne grotte. Non? Non. Non, ça devrait être par là que je devrais trouver du schiste. Du schiste. Du schiste. Du schiste. Il y avait un gros truc qui nageait derrière moi, mais c'est pas grave. Bon, on a trouvé le diamant. Mon royaume pour deux diamants. Capsule de survie. Bah, va attendre la capsule, hein. Je vais te le dire. Entre nous. Oh, j'aime pas cet endroit. C'est plat. Alors, vous m'avez dit par contre d'aller
taper sur les bernacles. J'ai la place, oui. Et les bernacles, c'est ça. Vivre, ouh. Vivre, ouh. Les bernacles, c'est plein de cuivre. C'est ça. Ouh. Mais du slip. Il n'y aurait plus des sangsues, ça. Non, ça va, je suis à deux doigts de... Où est la base? Il semble. Oh! Donc le cuivre comme ça, en trouver comme ça, c'est absolument génial. Vu que ça va me permettre de refaire complètement mon stock de cuivre. C'est la fête du slip. Et donc de piles, c'est ça qui compte. Oh. Je peux t'analyser déjà, monsieur. Qui remonte des bulles d'air. J'avais pas le rift pack. Oh, hey. Ok. Apparemment, je l'avais déjà. J'avais aussi. J'ai un nouveau message, génial. J'ai plus facilement de messages. C'est pas un truc qui m'attaque, ça? Oh non. La base. On va aller. Oh bah, je me suis bien déplacé quand même. J'ai fait 400 mètres. Ah bon, c'est pas grave. Ah, changer la source d'énergie. C'est une bonne chose. Hop là. Donc, nous avons donc maintenant deux piles. Ce qui fait que ça fait une batterie haute capacité. On s'en sort. Cet épisode n'était pas entièrement pour rien. On a trouvé les deux diamants. Ah là, honnêtement, on s'en est plutôt bien sorti. On n'aura plus qu'à aller faire le Vrex qui est au sud, enfin le débris qui est au sud-ouest, sud-ouest, et on sera bon. Et oui, puisqu'on aura la découpeuse, ça c'est génial. Ouah, on progresse. Et je pense savoir où va nous emmener le prochain. Le prochain message radio, donc on va peut-être pas aller le prendre tout de suite. Ok, déjà, à boire. Je vais prendre à manger aussi, d'ailleurs. J'ai peut-être pris à manger, cela dit. Faut savoir que les... les pochons ne rapportent rien à bouffer. Donc ça sert même pas... Ah non, j'avais pas pris à manger. Ça sert à rien du tout de les cuisiner. En tout cas. Le soufre. Le soufre. Rien qui explose. Non, c'est la même. Rien qui explose, bon bah ok. Alors je savais que ça allait être une plaie à trouver, ces trucs là. Quand même. Te v'là. Pourquoi je l'ai regardé comme un couillon, moi? Ah non, ah non, ah non, ça c'est vilain. Ah non. Ah non. Tu me fais pas ce coup là. Ça c'est vraiment vilain. Ça se fait pas. Pour moi, je vais reconnaître le bruit la prochaine fois. Hop, on va prendre un petit peu d'oxygène au passage. Allez. La prochaine, voilà. Bouffée. Merci. Ça fait du bien par où ça passe. Non? Bon bah... Merde alors. Comment vais-je faire? Si je n'ai plus de soufre. Ah, j'en ai trouvé.
Voilà. Ah non. Eh hey. Je respecte-moi. Ça en fait un petit paquet là quand même. Voilà. Avec un peu de bol, j'ai trouvé ce que je cherche. Oui. 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 On est bon. C'est joli, c'est joli, c'est joli. Bon, on va pouvoir se faire la découpeuse après 30 minutes de vidéo. C'est cool. C'est cool, c'est cool, cool. D'accord, je vais utiliser un plus gros poisson, ça m'a intrigué l'espace d'un instant. Par là, un plus gros poisson. Quel est ce bordel? Il va me falloir une pile, c'est ça. Je les ai les piles, je suis con. D'ailleurs, elles sont vides, ce qui n'est pas plus mal. Découpeuse. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose. D'ailleurs, j'en ai une vide ou j'en ai deux vides? Parce qu'il m'affichait deux tout à l'heure. Bon, apparemment, je suis bon dans tous les cas. Hein. Bon, c'est pas grave. On a gaspillé une pile vide. Et bon, faut bien qu'on progresse aussi dans le... Dans le schmilblick, si je puis dire. Par contre, on n'a plus de place du tout. C'est chiant de voir caler des armoires déployables. Ça me prend du titane et j'ai pas envie d'en perdre du titane à l'heure actuelle. Ça me permet tout simplement... Ça permettra plus tard, pardon, de faire ma... Oh, je suis pas trop mal. Je pensais que ça allait remonter un petit peu plus. Ça permettra plus tard d'aller mettre tout simplement. D'aller faire mon. Hop, mon. Comment. Ma base tout simplement. Donc, ce qu'on va faire, chers amis, c'est que moi je vais vous laisser là pour cet épisode. On aura trouvé ce qu'on cherchait. Vous êtes là, je vais y arriver. Et je vous retrouve dans le prochain pour tout simplement commencer à visiter un petit peu les débris. Et à avancer un petit peu plus dans la technologie. Ça pourrait être sympa. Voilà. Salut les gens!